la belle Kabylie n'est pas un pays, une région de notre Algérie, fraîche orpheline de ses pauvres martyrs. Fraîche orpheline de ses pauvres martyrs, fraîche euphorique de ses riches racines. La belle des régions est belle à écrire. Malgré la fuite de ses belles truites, de sa rivale qui l'est détruite, jusqu'à l'horizon, pourquoi s'enfuir? Malgré les tragédies, les inédits de l'inédit, ces très beaux paysages ravivent ses sourires. Sa bonne eau potable coule et jaillit de ses belles racines qui poussent et varient au fond de sa terre qui aime l'adoucir. Il n'y a pas d'Algérie sans sa Kabylie, comme une grand-mère sans sa fille chérie. Le temps qui passe tuera les menaces qui entourent l'enfant qui veut se nourrir. Ce beau paradis a très bien failli, aimait l'enfer qui l'avait trahi. Ce n'était-ce la sagesse qui a pu lui dire. Longtemps jadis on craignait le pire, celui des lâches qui voulait pourrir les bons citoyens jusqu'à faire mourir, pour faire repourrir l'air de l'air pur, des civilisations, des sacrées cultures, les beaux endroits à les envahir. Le club des jeunes a bien embelli les terres et rivières jusqu'au fond des lits, les braves canaris l'ont fait embellir. En étant scintillés, fortement liés, ils l'ont fait briller de Tizi au Vier, la JS Kabylie pourra revenir. En étant scintillés, fortement liés, ils l'ont fait briller de Tizi au Vier, la JS Kabylie pourra revenir. La JSK pourra revenir.